Bonsoir à tous. Bon, le titre du live, hein, on rentre dans la deuxième phase. Il y a cette question qui tourne partout en fait sur les réseaux sociaux, mais la question est simple. Et Emmanuel Macron en fait a répondu à tous les citoyens, mais alors tous sans exception, par rapport à cette réforme de retraite, mais aussi par rapport à tous les autres problèmes en fait qu'on rencontre au quotidien, que ça soit l'inflation et tout. Je vais pas me rabâcher, on l'a déjà répété un million de fois. Il y a eu des manifestations qui ont amené allez, à 3 millions de personnes. Le gouvernement n'a pas reculé. On est tous d'accord là-dessus. Il y a eu les députés. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les députés? C'est simple. Il y en a 9 là qui n'ont pas voté le truc. Ils ont promis des subventions dans les circos et tout ce qui va avec. Et ils ont acheté les députés qu'il fallait acheter juste pour bloquer la réforme. Il y a eu le 49-3. Parce qu'ils savaient que sinon, sa réforme ne passerait pas. Donc, en fait, déni démocratique. Il y a eu un déni démocratique, c'est tout. Donc aujourd'hui, en fait, la réponse d'Emmanuel Macron, elle est claire et simple. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, je suis désolé de le dire avec tout le monde. Il a dit à tous les Français, c'est pas Olive Olive qui le dit. Hein. Il a dit à tous les Français, c'est pas compliqué, la démocratie n'existe plus, on n'écoutera pas votre parole, on passe le 49-3 quand on est sûr que ça va pas passer. Donc, demain, vous avez un soulèvement populaire, et c'est Macron qui le dit, c'est pas Olive Olive. Eh bien, peut-être que ça fera reculer ce gouvernement en place, sinon, non. Voilà, c'est tout. Donc, Emmanuel Macron appelle au chaos. Emmanuel Macron, ce soir, et à travers toute la politique gouvernementale qui a été menée, ils appellent au chaos. Ils appellent à ce qu'il se passe un drame, malheureusement. Et on le répète depuis, moi, au moins 4 ans. 4 ans où je dis, il ne faut pas qu'on en arrive là, sinon on rentrera dans un état de chaos. Et si on rentre dans un état de chaos, il va y avoir des blessés dans les deux sens. Malheureusement, c'est ce que veut Emmanuel Macron et on peut le constater actuellement à travers les décisions qui ont été prises. Je suis désolé de vous le dire parce qu'il n'y a que deux solutions que Macron a dit aujourd'hui aux Français et à tous les citoyens de ce pays. De toute façon, vous n'arriverez pas à faire les choses par la politique et nous l'a prouvé. Donc, soit vous la fermez, soit vous la fermez et c'est comme ça parce que c'est la dictature dans notre pays ou soit on rentre dans un état de chaos. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est le seul message du gouvernement qu'on a eu aujourd'hui. Le seul message qu'on ne voulait pas avoir depuis des mois et des années. Parce que si jamais il y a une étincelle, je peux vous jurer qu'on va vraiment rentrer dans un état de chaos. Et il y aura des blessés dans les deux sens. Et ça, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, si demain il y a des blessés, si demain il y a des morts, vous serez responsables. Vous serez responsables. Les politiques républicains qui se sont fait acheter, parce qu'on sait tous comment ça marche, on sait tous comment ça fonctionne, je te donne telle subvention dans ta circo et tu votes pour ma réforme, vous êtes responsable. Si demain il y a des blessés, si demain il y a des morts dans les deux camps, vous serez responsable et vous êtes responsable parce que vous êtes en train d'amener le chaos dans notre pays. Et ne me parlez pas de démocratie aujourd'hui. Il n'y a pas de démocratie, elle n'existe plus. Elle n'existe plus cette démocratie. Voilà où on en est. Voilà où on en est avec Emmanuel Macron. Voilà comment on fait sombrer un pays. Voilà comment on amène dans une atrocité la plus totale. Parce que c'est des images qu'on risque de voir, malheureusement. Il faut savoir le dire. Il faut arrêter de dire, oui, c'est bien. Non, non, le chaos, c'est pas bien. Mais est-ce que Emmanuel Macron laisse le soi? Je laisse tout le monde en juger. Mais il faut pas dire, c'est bien. Il faut pas dire, c'est bien, le chaos. Parce que le chaos, ça fait des blessés, ça peut faire des morts. Il faut pas dire que c'est bien. Et je veux pas entendre, c'est bien. Je veux juste entendre... Quelle est la solution qu'Emmanuel Macron laisse au pouvoir aujourd'hui des citoyens pour changer les choses? Quelle est la solution qu'Emmanuel Macron lance? Quelles sont les solutions qui sont données aux citoyens français aujourd'hui pour se faire entendre? Le tissu démocratique ou pas? Non! On l'a tous constaté encore aujourd'hui. Et je sais que tout le monde a une boule au ventre ce soir. Une boule au ventre. Donc on va voir ce qui se passe dans les heures à venir, dans les jours à venir. On verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas... Si vous cherchez des responsables, les seuls responsables, ils sont à l'Élysée. Les seuls responsables sont à l'Élysée, ils ne sont pas ailleurs. Ils ne sont pas ailleurs. Je me pose qu'une seule question. Comment on va expliquer à nos enfants tout ce qui va se passer dans les heures qui viennent? Comment on va leur expliquer? Bah oui, parce que on sort des doctrines en fait. On sort des choses. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà ce qui se passe. Je vous laisse donner sur la route.